Et salut à tous, on se retrouve pour le petit tournoi du lundi, cette fois-ci. Sortir un lundi, sans doute que non. On verra bien. Ok, composition d'Aïdara, évidemment, pour commencer. Alors, est-ce que les reliques sont bonnes? J'imagine que non. Ah, étonnamment, elles sont bonnes. Et au niveau des poursuites, c'était ça qu'il fallait. Et on est parti. Allez. À tout de suite. Ok. Ok. Le mode auto qui est peut-être un peu de trop. Ok, là. La Zikmu est horrible. Mais tout va bien. Okay, petit problème de son, mais tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, c'est bon. Kira est doux. Ah, il a quand même Minato, c'est quand même un bon ninja. Je baisse encore. Ok. C'est très très bien. Ah, un abandon. Étonnant. Pourtant, c'était pas auto-win, je pense. Bon, dommage. Hey, à tout de suite. Ok. La petite combat qui va se lancer. Ok, donc on se retrouve finalement contre Teclix. 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 Ok. Alors est-ce qu'on va prendre... blague annulée. Ok. Ok, bon, les deux petits dodos qui passent assez correctement. Étonnamment, le DJ qui m'inquiète le plus, c'est le Minato. Ok, bon, il reste que la Kushina maintenant. Ok, l'auto, ouais, c'est l'écart de combativité, oui, c'est ça. C'est qui fait la diff. D'accord. Ah oui, ouf. Ah oui. Même pas l'opportunité de lancer un ultime prochain tour. Il n'y a pas de prochain tour. Bon. Pas très bien. Ok, à tout de suite. Ah, Athéna. Ouh, composition Zetsu. Ok. Est-ce que... Ah, ça me semble quand même compliqué, hein. Bon, l'écart de combativité, il est assez énervé. Je pense que tout simplement, on va peut-être remplir. Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être pas vraiment. Oula, pardon. Ok, composition de type. Naruto. Et moi j'aime bien mettre les personnages dans l'ordre. En espérant que ça conserve le même stuff et le même les mêmes reliques. Belzamine. Oui, globalement. Je pense qu'on est pas mal. Allez, à tout de suite. On va mettre la barrière. Il aurait jamais mieux fallu ne pas cuter son cac Kuzu. Peut-être. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est Ok. Ok. D'accord. Très bien. Pour ceux qui me demandent pourquoi je replie de manière assez rapidement contre Athéna, c'est pour éviter de assister à des telles scènes de violence, évidemment. Alors... Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. Oui. Je te donnerai. Allez.
J'ai réussi c'est Naruto au Kaozu. Ah, je crois que c'est. Est-ce que c'est lui le Man Food qui traite le monde de gamin? Ah, je pense qu'on va avoir la confirmation assez rapidement. Il faut que je baisse un tout petit peu le son. Parce que... Ils sont un tout petit peu agressifs, n'est-ce pas? On est autorisé à lancer nos ultimes, donc on va le faire globalement. J'ai pas vérifié qu'il y avait la deuxième attaque de. Ok, on peut lancer les clones au prochain tour. Là, c'est soit qu'il y a Kushina, soit le Roshi qui va partir. Étonnant. Je pense qu'on peut lancer l'ulti de Zetsu comme ça. Limite, on se met un shield, histoire de protéger un peu tout le monde. On a récupéré 3 main foudre. Nikushina et un Roshi. Ok. Là, je pense qu'on est assez royal dans l'idée. Il a l'air de jouer tactique en bout. Donc une des solutions sur sa tête de faire tomber son main en premier. Ouais, après si. Ah bah merci pour le gain de chakra en fait. Merci monsieur. Ça fait plaisir. Là. On sait pas qui allait faire ça. Je pensais qu'il allait lancer Kushina, mais en fait il lance Roshi. Donc on peut cut le Roshi et. Là, je pense que les autos vont faire le taf. À mon avis, si Suigetsu réussit à faire une poursuite, c'est game over. La poursuite de Suigetsu, c'est quand même quelque chose en termes de dégâts. C'est plutôt pas mal. Ok, bon. Allez, à tout de suite. Sanin gros. Ok. Ok, faut tanker. Faut tout tanker. Tentative de. Ah mais non, mais je suis bête. Ok. Tranquille. Tranquille. J'ai essayé de cuter Kimiro, mais il n'avait pas de chakra. Pas de problème. Pas de problème. Alors, le problème c'est que le Suigetsu il va s'acharner sur un pauvre Shiba. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, avec le Zetsu, on clonera pas un petit chien. C'est quand même tout à fait acceptable. Ok. Alors là, au prochain tour, il va pouvoir lancer que Hashirama, je pense. Donc on va patienter un tout petit peu pour savoir où va-t-il le balancer. Voilà, petit soin de début de tour qui fait plaisir. Ok, je vais essayer de mettre les clones de Zetsu en timing. Timing particulier pour ne pas faire que tout quoi que ce soit. Ok. Tentative de. C'est chaud. Ok, les cônes sont passés. Bon. Du coup, je pense que ça va le faire. Hein. De toute façon, on a bien tanké. L'avantage en combativité. Ah tiens, c'est étonnant, il joue cette poursuite-là. Okay. Très étonnant. Il décide d'abandonner. Ok. Tournoi terminé. Formidable. J'espère que la petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.